Ok, salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui du coup j'allais m'entraîner et puis bon ça a un petit peu trotté dans ma tête. Je me suis dit bon, je vais filmer mon entraînement, ça peut être sympa. Et après je me suis dit ouais bon bah juste filmer c'est bien, mais à un moment aussi il faut apporter une petite quelque chose, une plus-value, quelque chose qui peut vous aider si vous commencez ce sport ou quoi. Et c'est là que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Bon, de base je devais filmer l'intro dehors juste avant de m'entraîner avec mon petit micro etc. Mais il s'est mis à pleuvoir vraiment, vraiment beaucoup. Petit extrait. Bon voilà, ça a un peu changé mes plans. Moi, ça me dérange pas de m'entraîner sous la pluie ni rien, mais c'est juste pour filmer. C'est trop compliqué en fait. Ça va être trop, trop galère. Donc là, je pense que c'était juste une petite averse. Je fais l'introduction. Bon bref, ça, c'est mon problème. Là, si vous avez cliqué sur la vidéo aujourd'hui, c'est pour que je vous explique une petite routine d'entraînement pour débutants. Bon, petite remise en contexte, du coup l'entraînement que je vais faire aujourd'hui c'est un entraînement donc de Sergio Di Pasquale. Je vous mets son, je crois il a un YouTube, je vous mets son YouTube en haut. Donc c'est un athlète pareil qui fait du 7N rep, bien que bah des fois on partage pas vraiment les mêmes idées, la même vision au niveau de la réalisation des mouvements. Bah ça n'empêche pas que c'est un athlète que bah j'admire de par le volume qu'il fait dans la semaine, c'est astronomique. Vous avez juste qu'à voir sur son Instagram, vous verrez. Et là, voilà, j'étais pas à court d'idées, mais je sais pas, j'avais envie de faire autre chose et je suis tombé donc sur une routine qu'il avait postée sur Instagram. Et je me suis dit, bah, tiens, ça va me donner un objectif. Je sais pas si j'ai le niveau pour la finir, mais ça va me donner un objectif, ça va me donner un cadre. C'est une routine que j'ai jamais faite, donc allez, let's go. Donc je vais vous expliquer la routine et je vais vous expliquer surtout comment l'adapter pour un débutant. Alors du coup, Sergio, lui, dans sa routine, c'était donc pour la pyramide numéro 1, c'était une traction, un muscle up, une dips, et après, donc il prenait du repos et il montait jusqu'à 10 tractions, un muscle up, 10 dips. Mais tout ça lesté à 15 kg. Et la pyramide numéro 2, c'était pareil, mais avec un volume plus conséquent, ce qui montait plus haut, mais une intensité plus faible, la charge qui était de 10 kg cette fois-ci. Donc, il faisait 2 tractions, un muscle up, 2 dips, 4 tractions, un muscle up, 4 dips, pardon, et il montait tout en haut jusqu'à 20 tractions, un muscle up, 20 dips. Et on est d'accord que les dips, c'est les dips sur barre, mais de toute façon, vous verrez ça tout à l'heure. Et là, vous allez me dire, mais il se fout de ma gueule. Il met dans son titre vidéo une routine pour débuter et il me balance un truc qui est quand même pas à la portée de tout le monde et moi je sais pas du tout et je pense même pas que je vais réussir, je suis presque sûr, mais je vais tout donner, c'est pas grave, ça me donne un objectif et que je réussisse ou pas, je vous la montrerai et je m'en fous. En vrai, c'est voilà, il n'y a pas de mauvais entraînement. Il y en a certains qui disent les mauvais entraînements c'est ce que vous faites pas. Bon bref, ça c'était juste une petite aparté, mais bien entendu c'est une routine que vous pouvez adapter pour un débutant. Et c'est ça que je vais vous parler, que je vais vous expliquer, je vais vous donner des méthodes pour essayer d'adapter en fonction de votre niveau. Allez, on est parti pour la première méthode et c'est ce que j'appelle la variation de l'intensité, tout simplement. Donc j'ai rien inventé, c'est vraiment tout simple. Déjà, en premier lieu, je tiens à préciser que c'est pas pour débutant, parce que bah si vous débutez, déjà je pense que la première chose à faire et que surtout que vous voulez, c'est réussir le muscle up. Là, je m'adresse plus aux débutants qui maîtrisent les quatre mouvements dans leur globalité, donc traction, dips, pompe et surtout le muscle up. Une fois que vous débloquez le muscle up, vous avez une infinie de routines et c'est là que le jeu y commence et c'est là que c'est très très intéressant. Alors, on est parti pour la variation de l'intensité. Donc, c'est tout simple, c'est juste varier la charge. Mais quand je dis la charge, c'est vraiment le poids. Donc vous pouvez faire, par exemple, pour la pyramide numéro 1, exactement la même chose, de 1 jusqu'à 10, mais au lieu d'avoir 15 kg, vous pouvez très bien le faire au poids de corps. Okay ? Et pour la pyramide numéro 2, au lieu d'avoir 10 kg, vous le faites avec un élastique. Okay ? Et là, c'est le petit instant promo. En parlant d'élastique, bah, Garnation m'a envoyé du coup tous les élastiques qu'ils ont dans cette routine, vous pouvez très bien l'utiliser. Donc là, j'ai donné la première adaptation qui est de faire donc la première pyramide, donc 1, 1, 1 jusqu'à 10, 1, 10 au poids de corps et la deuxième qui est 2, 1, 2 jusqu'à 20, 1, 20 avec un élastique.
ok? Mais vous pouvez très bien commencer la première routine avec par exemple l'élastique rouge, pardon, celui-ci, donc qui est de entre 5 et 15 kilos. Donc il va pas vous délester énormément, mais ça va quand même vous aider. Et après finir par exemple avec, je sais pas, le vert qui est entre 20 et 40 kilos. Et là, c'est au top et du coup vous pouvez bien adapter la routine à votre niveau. Donc voilà, là j'ai abordé avec vous donc tout ce qui était adaptation autour de l'intensité, donc de la charge. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre tout en description. Je vais mettre ce qu'il y a à faire pour votre niveau. Je vais faire, je pense, 3-4 niveaux. Niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et je vous mâche tout le travail, ok? Et en fonction, donc ça sert progressif. Par exemple, le niveau 3, je vais faire la pyramide numéro 1 à 10 kilos et la pyramide numéro 2 à 5 kilos. Ok, donc ça, c'est un niveau quand même qui est très intéressant. Ok, j'espère que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, je vais vous expliquer la deuxième adaptation qui est l'adaptation du volume. Donc pour cela, c'est pareil, j'ai rien inventé du tout. Là, vous avez juste à varier le volume. Donc, ayez toujours en tête deux petits robinets. Le robinet intensité, le robinet volume. Soit vous mettez un peu plus d'intensité, soit vous augmentez un peu le volume, etc. Et c'est que des adaptations comme ça. Bien sûr, dans l'entraînement, il y a beaucoup plus de choses, on est d'accord, hein. Mais déjà, si vous avez cette idée-là, que vous fonctionnez comme ça, je pense que ça peut être très intéressant pour votre entraînement. Donc là, dans cette deuxième adaptation, on va mettre de côté le robinet intensité, c'est ce qu'on a vu précédemment. Et là, on va se concentrer que sur le robinet volume. Donc là, vous avez juste en fait à réduire le volume total. Je m'explique, au lieu de monter jusqu'à 10 tractions, un muscle up, 10 dips, vous faites une traction, un muscle up, une dips, et de 1 en 1, vous montez jusqu'à 5 tractions, un muscle up, 5 dips. Ok? Vous avez joué sur le volume. En tout, il y aura beaucoup moins de répétitions que si vous avez fait tout. Ok? Et pareil pour la pyramide numéro 2, vous montez quand même de 2 en 2, mais au lieu de monter jusqu'à 20 tractions, un muscle up, 20 dips, vous montez simplement jusqu'à 10 tractions, un muscle up, 10 dips. C'est aussi simple que ça. Cela dit, il arrive parfois qu'on doit trouver un compromis entre le robinet intensité et le robinet volume. Je m'explique, prenons le cas de Jean-Bernard, qui lui, il est très bon en volume. Ça fait 2 ans, il fait beaucoup de répétitions, etc. Il arrive à faire sans problème 20 tractions, un muscle up, 20 dips. Mais par contre, il a jamais fait de muscle up lesté de sa vie. Ok? Donc là, l'adaptation donc numéro 2 que je lui ai proposé, de monter juste simplement jusqu'à 5 tractions, 1 muscle up, 5 dips à 15 kg, bah ça lui est impossible en fait. Parce que déjà, une traction, 1 muscle up, une dips à 15 kg, il n'arrive pas. Parce que et voilà, il fait jamais de muscle up lesté, donc non, il n'arrive pas. Donc là, c'est à vous de trouver un compromis. Donc je vais diminuer le volume, je ne vais pas monter jusqu'à 10, mais je vais monter jusqu'à 5. Mais je vais aussi diminuer l'intensité parce que je suis pas capable. J'ai un ARM, donc une répétition maximale en muscle up qui est à 10 kg. Donc impossible pour moi de faire sa routine à 15 kg. Là, qu'est-ce qu'il me raconte? Là, vous avez en référence votre ARM de 10 kg. Et vous pouvez par exemple prendre 5 kg. Donc vous montez de 1-1-1, 2-1-2 jusqu'à 5-1-5. Mais pas à 15 kg cette fois-ci, à 5 kg. Là, vous avez trouvé un compromis. Et là, c'est hyper adapté à vous, c'est hyper individualisé et ça va vous faire progresser, c'est sûr. Donc voilà pour l'introduction, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. De toute façon, voilà, comme je vous l'ai dit, je vais mettre tout en description. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important dans l'entraînement, hein, que ça soit dans ce sport-là, en course à pied. C'est une des clés, si ce n'est un des trucs majeurs pour travailler dans son entraînement et se rapprocher de plus en plus de son objectif. Bon bref, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Moi, comme toujours, je vais réaliser cette routine. Donc si ça vous intéresse, vous avez qu'à continuer dans la vidéo. Je vais pas tout filmer. Je vais vraiment filmer les paliers importants. Il a l'air de plus trop pleuvoir. Donc voilà, on va aller dehors sur ma barre de traction. J'ai hâte. J'ai assez parlé dans cette vidéo. J'espère que vous tenterez cette routine et surtout que ça vous a apporté quelque chose et que ça peut vous aider à atteindre vos objectifs et surtout que ça peut vous aider à vous entraîner dans cette période un peu difficile parce que là vous avez juste besoin d'une barre de traction et vous faites les deux patterns essentiels, pattern de poussée, pattern de tirage. Oui, il manque le pattern
d'accroupissement avec tout ce qui est squat, etc. pour les gens. Merci de m'avoir écouté. Moi, je m'en vais m'entraîner. Donc, si vous voulez voir ça, vous continuez. Sinon, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ok les gars, c'est bon, j'ai fini mon échauffement. Et moi qui parlais d'adaptation au début de l'entraînement, c'est ce que je vais faire parce que j'ai pas le niveau, du moins en ce moment, hein, peut-être je l'ai eu, mais je sais pas, de le faire à 15 kilos. C'est beaucoup pour moi. Je vais pas prendre le risque, je préfère travailler qualitativement, essayer de travailler, de finir cette routine pour, pourquoi pas, par la suite augmenter les poids. C'est quelque chose que peut-être j'ai pas abordé aussi dans l'introduction. Mais une fois que vous avez réussi cette routine à un certain poids, c'est comme tout. Après, vous pouvez la refaire en augmentant de 2,5 kg en 2,5 kg. Donc moi, comme je ne l'ai jamais fait et que je sens rien qu'à l'échauffement qu'à 15 kg, ça va être impossible, je vais le faire à 10 kg okay, pour la pyramide numéro 1 et à 5 kg pour la pyramide numéro 2. Et je ne sais même pas sûr que ça passe, mais je vous promets que je vais tout donner.
Putain! Ah, je suis dégoûté parce que j'ai fait une traction de trop. Je le savais, en plus je me sentais trop bien. Et je pense que vous l'avez vu, je fais ma dernière traction, après je prends un élan et après je le fais. Et je sais pas. Bon, tant pis, moi je vais prendre beaucoup de repos là et je m'en fous, je vais le retenter. Faut que ça passe, je vais tout donner. On n'oublie pas le thème de la vidéo, c'est l'adaptation donc de son entraînement. Donc voilà, vous pouvez très bien adapter cela comme j'ai expliqué et vous pouvez retrouver en description, je vais mettre des niveaux pour que vous puissiez adapter et refaire cet entraînement à votre sauce, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.